L'Africa Food Systems Forum 2024, qui s'est déroulé à Kigali Convention Center, a rassemblé des participants venus de toute l'Afrique pour discuter des solutions durables pour les systèmes alimentaires du continent. L'un des temps forts de cette rencontre a été la remise du tout premier prix des compétences dotées de $50 000. C'est Fatoumata Zahra El-Kou, une entrepreneuse marocaine passionnée par l'innovation dans le secteur agroalimentaire, qui s'est distinguée en remportant la prestigieuse distinction. Vraiment, c'est incroyable donc, d'avoir le premier prix, winner, prix de la femme entrepreneur. Donc, comme une femme marocaine, africaine, c'est une responsabilité et c'est un honneur. Et espérant que je peux donner un vrai exemple pour les autres femmes, que ce soit au niveau du Maroc, que ce soit au niveau de l'Afrique, ce n'est pas quelque chose qui est très simple, ce n'est pas quelque chose qui est simple, c'est du hard work, c'est un travail qui est dur. Et vraiment, avec mon équipe bien sûr, vraiment, on est vraiment honorable pour cette annonce. Voilà. Fatoumata Zahra a insisté sur l'importance du soutien aux jeunes entrepreneurs africains, particulièrement dans le secteur agricole. La toute nouvelle lauréate souligne la nécessité de créer des plateformes permettant aux jeunes talents de bénéficier des ressources nécessaires pour développer des projets durables et résilients face aux défis mondiaux. C'est un événement qui est remarquable et c'est une responsabilité pour nous. Eh ben, espérons d'avoir vraiment développé toute la technologie et d'avoir ouvrir notre plateforme à d'autres pays et pour surtout au niveau de l'Afrique. Et on est déjà en train d'étudier quelques partenaires avec d'autres pays et ça nous aide bien sûr à développer mieux la technologie et en même temps d'avoir créé vraiment une vraie dynamique pour l'agriculture et en même temps pour l'agroalimentaire africain. La distinction de Fatoumata Zahra au Africa Food Systems Forum 2024 témoigne de l'énorme potentiel qui regorge l'Afrique en matière d'innovation et de développement durable. Son succès résonne comme un appel à d'autres jeunes entrepreneurs africains à croire en leur capacité à contribuer à la transformation du secteur agroalimentaire sur le continent.